Tendresse, caresse, partage, ils ont des noms tout doux et sont censés l'être tout autant pour la peau des mains. Moi, je lave les mains à peu près 20 fois par jour ici et ma peau n'est pas du tout décapée. Le petit secret de ces savonnettes, la saponification à froid. Les savons qui sont saponifiés à froid sont des savons dans lesquels on a un taux de glycérine assez élevé. Alors quand on dit saponifié à froid, c'est en opposition au savon à chaud, au chaudron, comme on peut avoir à Marseille. Ici, dans nos savons, on n'a pas de rinçage de pâte. Donc on garde toute la glycérine. Et en plus de ça, comme on ne transforme pas toute l'huile du savon en savon, on a un surgras. Des propriétés intéressantes en cette période d'épidémie qui oblige parfois à un nettoyage des mains intensif. Par rapport à un savon classique, donc le fait de saponifier à froid, ça nous permet d'avoir un pH plus élevé qui va permettre de détruire plus rapidement le virus par rapport à un savon basique. La marque espère bien doubler sa capacité de production d'ici la fin d'année en industrialisant ce processus artisanal. Alors là, c'est un coffret, donc il y a un savon partage, un savon tendresse. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette crise et ce virus, les gens comprennent le besoin impérieux de se nettoyer les mains plus souvent et donc avoir recours à des savons solides est en effet pour nous une belle opportunité. Sans oublier d'être solidaire, 3000 savonnettes ont déjà été offertes à des professionnels de santé.